C'est même pas, justement, comme tu le dis, c'est pas. Il y a certains qui gagnent, il y a certains qui perdent. Il y a énormément de personnes qui perdent et il y a personne qui gagne, en fait. Parce que tu avais un mécanisme qui fonctionnait bien, qui permettait aux utilisateurs d'avoir des publicités qui étaient relevant, qui étaient pertinentes, et qui permettait aux annonceurs de pouvoir toucher les gens qu'ils ont envie de toucher. Et aujourd'hui, ce système fonctionne beaucoup moins bien. Donc, les utilisateurs ont moins de pubs, des pubs moins bien, et les annonceurs font moins d'argent, sont moins rentables. Et tout ça parce que, en fait, le public ne comprend pas comment fonctionnent les publicités algorithmiques et pense que quand Facebook vend tes données aux annonceurs, ils s'imaginent le grand livre avec ton nom, Oussama, Yomi, âge, il a cliqué sur cette pub, il a machin, puis t'as Mark Zuckerberg qui est là avec son dossier. Hey! C'est ton pote là qui vend ses gosses. Tu veux savoir qui est gay, regarde! Alors que c'est pas du tout ça, c'est un algorithme. Il est mignon celui-là. Mais ce qui est bien, c'est que tu as toujours des évolutions et aujourd'hui, ben, tu as d'autres réseaux sociaux qui fonctionnent très bien, tu as d'autres manières de faire des Tu publicités. disais hier, j'étais surpris sur ton Insta, tu dis TikTok. TikTok, c'est une tuerie en ce Ouais, moment. Ouais. ça vend bien. Ouais, ça vend bien. Et ce qui est dingue aussi avec TikTok, c'est que tu peux faire des publicités gratuites. Où, ben, en fait, tu es sur une plateforme qui est 100% algorithmique. Où, ben, c'est toi qui m'en avais parlé d'ailleurs une fois. Peu importe le nombre d'abonnés que tu as, t'inquiète. Je garde ça secret. Je donne pas la technique. Mais peu importe le nombre d'abonnés que tu as, tes vidéos, c'est la vidéo en fait qui va décider de la performance de ton contenu. Donc en fait, tu peux créer ton site, faire une vidéo si tu respectes certains codes qui va partir viral, peu importe ton nombre d'abonnés. Et ben, après, les gens ils viennent acheter sur ton site. Donc tu vois, tu peux vraiment, et ça c'est un truc que j'ai dit depuis longtemps, c'est genre, c'est très difficile de lancer une boutique e-commerce si tu as 0 euros. Enfin, aujourd'hui, tu peux presque le faire parce que la publicité, si tu es bon sur TikTok, tu n'en as presque plus besoin. Donc ouais, tu peux lancer des sites comme ça, puis après, c'est logique, hein, c'est le nouveau réseau social, tu as énormément d'attention, énormément de personnes, du coup, le coût par clic est peu cher. Tu as un algorithme qui fonctionne bien au niveau de l'optimisation publicitaire. Et donc, il y a pas mal de personnes qui ont de très bons résultats en ce moment Après, sur TikTok. ça fait plaisir.